Hi, can you hear me? Hi, can you hear me? Great, thanks. Hi. Ooh. Hope you can hear me, because maybe I'm going to have to step in. Okay, so just trying it now, and yes, they seem to be fine. Thank you. It's working fine for me as well. Thank you. Back to you, Nicole. Hi everyone, can you hear me?
Just being mindful of time, I think we will get started as people begin to join. We'll just wait for them. So hello, everybody. Hopefully you can hear me. My name is Nicole Cork. I am the Association Manager of IKEA's Activities. Welcome, and thank you for registering for today's webinar, Successful Abstract Writing Tips for the IKEA Congress, which was made possible by a grant provided by the Bill and Melinda Gates Foundation. Today's webinar is being translated live from English to French and Spanish. So if you prefer to listen in another language, we encourage you to adjust your language at the bottom of the screen. You should see a drop down at the bottom that says your currently holds a Welcome Investigator Award and is also senior editor for the Health Economics Office of Social Science and Medicine. Manoj Mohanan is Associate Professor at the Stanford School of Public Policy at Duke University. He also holds secondary appointments in the Department of Economics and at Duke. Everyone on the line has been muted except for the speakers, and you will not be able to unmute yourself. So please use the chat box for any questions or comments during the webinar. Questions will be addressed by both speakers at the end of the webinar. Finally, we will be sending a... and COVID. So without further ado, I'm going to turn the floor to them. We welcome you to this session. And also, I look forward to your questions and an engaged discussion with the speakers as well. Thank you. Good afternoon. Good afternoon if you're in the UK, and good other part of the day if you're in the world. Interprète s'excuse pour le retard avec un petit souci technique. Nous allons vous parler aujourd'hui sur la manière de préparer une présentation pour le congrès l'année prochaine. Donc bien sûr, on voudrait être en Afrique du Sud pour cette conférence, mais malheureusement, cela ne sera pas possible. Et donc l'IEA sera en ligne et nous sommes plutôt ravis de faire cela dans certains termes. Bien sûr, ce n'est pas la même chose que d'habitude, mais cela va permettre à beaucoup de personnes de participer qui n'auraient pas pu faire cela auparavant. Mais comme ça, vous allez pouvoir vous engager de manière virtuelle. On espère que ce sera aussi bien que possible avec des présentations de qualité, mais aussi avec beaucoup d'opportunités pour des discussions avec des collègues. Donc, on vous encourage à présent faire votre résumé, et c'est pour cette raison que nous avons préparé cette séance aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de différentes étapes. Tout d'abord, il faut considérer si, oui ou non, vous voulez soumettre un résumé individuel ou une séance organisée. Un résumé individuel, c'est quelque chose que vous allez soumettre pour être considéré pour inclusion dans la partie considérée qui sera un nombre de résumés sur les mêmes sujets. Sinon, vous pouvez considérer quelque chose qui sera une affiche qui sera sur notre plateforme avec une présentation enregistrée. Sinon, vous pouvez présenter une séance organisée avec 3-4 présentations avec différentes discussions attachées là-dessus. Donc, il faut prendre cette décision tout d'abord. Je vais vous parler des résumés individuels avant de vous parler sur les séances organisées à la fin. Donc, avant de commencer, il faut considérer différentes choses en termes de résumés individuels. Pardon, je ne clique pas sur le bouton qu'il faut. Donc, il est important qu'il s'agisse de quelque chose que je vous n'avais pas dit auparavant, publié auparavant. Donc, lorsque vous considérez quelle est la meilleure chose à présenter, il faut considérer quelque chose qui n'est pas trop précoce ou trop tard. Il ne faut pas avoir quelque chose qui serait trop si tôt que vous n'auriez rien à dire. Et en fin de compte, vous ne pouvez plus présenter, bien que cela aurait été accepté, mais il ne faut pas que ce soit trop tard dans le processus non plus, parce que si vous recevez des commentaires qui vous disent que quelque chose est vraiment fondamental, vous n'aurez pas voulu soumettre votre résumé pour publication plus trop tôt. Donc il faut trouver l'équilibre là. Je pense que c'est une conférence internationale, donc vous voudriez que votre présentation soit d'intérêt international et que cela ferait partie de notre conférence IEA aussi. Donc, bien sûr, il faut
que ce soit en termes d'économie de santé aussi, mais aussi nous avons quelque chose qui vont traiter de différentes choses. Cela va traiter de la santé ou de l'économie, mais pas les deux, par exemple. Donc, ça, c'est trop large. Donc, il faut considérer si votre sujet peut faire partie de sous-sujets, donc ferait partie de l'un de ces sous-sujets. Sinon, c'est peut-être pas la conférence pour vous, cette fois, ou pour votre papier tout au moins. Il faut s'assurer que votre soumission est en ligne avec les vérifications qui seront menées. Donc cela doit être anonymisé pour être revu. Il faut rester avec le nombre de mots qu'il faut. Il faut donner les informations de base qui seront dans les formulaires en ligne, c'est-à-dire des conflits d'intérêts ou des informations sur la présentation. Je dirais aussi de choisir votre sous-genre de manière prudente parce que cela va porter l'influence sur qui va regarder votre résumé aussi lorsque cela est en train d'être évalué. Donc une chose aussi à prendre en compte cette fois, c'est que nous avons différentes choses qu'il faut considérer auparavant. Donc parmi les questions qui seront posées lorsque vous soumettez votre résumé, c'est les opportunités justes de présentation. Donc, il faut considérer justesse en termes de qui présente les recherches. Est-ce que cela devrait être vous qui présentez, ou un étudiant en doctorat, ou un autre membre de votre équipe? Et comme j'ai dit, il y aura des questions sur les formulaires de résumé, pour s'assurer que le présentateur, c'est le présentateur qu'il vous faut. Il y aura aussi une question sur l'éthique aussi à remplir cette fois. Donc, avant de commencer, en termes de séance organisée, il y a autre chose à considérer, c'est-à-dire de commencer de manière tôt, donc parce qu'il va falloir aligner 3-4 présentations sur votre sujet pendant votre séance, donc il faut considérer les personnes et faire en sorte que ce soit prêt de manière précoce. Il faut considérer cela d'un point de vue international, cela va augmenter la présentation, l'intérêt de manière internationale. Vous pouvez aussi générer de nouveaux contacts à travers IHEA aussi. Différentes choses à vous dire. Puisque cette conférence sera en ligne, il faut considérer les fuseaux horaires aussi. Vous ne voulez peut-être pas avoir un deuxième présentateur dans votre séance qui aurait besoin de se lever à 2h du matin pour faire la présentation. Donc, il faut prendre cela en compte aussi. Ceci étant dit, si vous passez à l'international, parfois, vous pouvez changer les règles. Donc, si vous avez un programme de travail sur quelque chose qui intéresse déjà les participants, vous pourriez faire 2, 3, 4 présentations sur différentes parties de ce travail. Cela serait une chose intéressante aussi pour le comité, mais cela est plus risqué, plus difficile. Donc, il faut bien considérer avant de faire cela. Donc, voilà les idées préliminaires avant de maintenant passer à préparer vos résumés. Donc, je pense que j'ai perdu un peu de ma présentation. Donc, lorsque j'avais commencé à faire des recherches, mon premier patron m'avait parlait souvent sur les résumés et la manière de faire des recherches et comment préparer un document. Et l'une des choses qu'il m'avait dit, c'est que chaque document doit être très clair. Il faut vraiment être clair de quoi votre résumé parle et la question de recherche que vous considérez. Donc, il faut bien décider que votre résumé dit une phrase comme « cette recherche cherche à » ou « cette hypothèse, l'hypothèse testée dans cette recherche traite du… » Donc, chaque document a besoin de titres comme ça. L'autre chose qu'il m'avait dit, c'était un papier, un seul point.
Il s'agit là de considérer non pas avoir dit différentes choses dans votre document que vous essayez de présenter. Il faut penser au sujet clé que vous essayez de présenter, l'aspect clé de votre recherche, et cela devrait passer à travers votre résumé depuis le début, en passant par les recherches pour revenir à votre réponse au problème. Il ne faut pas oublier cela dans des documents, dans des informations supplémentaires que vous essayez de mettre en place. Il faut vraiment être axé sur ce que vous essayez de présenter. Titre, c'est la première chose que la personne qui passe en revue votre résumé voit sur le système avant même d'ouvrir votre résumé. Donc il faut faire en sorte que votre sujet, votre titre soit pertinent pour le congrès. Il faut que cela soit pertinent et il faut être clair de quoi votre présentation va parler. Donc je ferai en sorte que cela soit pas trop technique pour attraper l'œil de l'évaluateur. Donc des titres qui ne fonctionnent pas, ce serait la santé en Chine, cela pourrait parler de n'importe quoi, ou des cas de profil avec une solution avec deux niveaux de préférence, cela n'est pas clair, il y a trop de jargon, cela ne donne pas trop d'idées en termes de titres. Donc un titre qui frappe, une titre qui frappe de manière plus claire serait peut-être quelque chose comme pourquoi les dépenses sur la santé sont en train d'augmenter en Chine. Cela est très clair, c'est en ligne avec la santé et cela pourrait être intéressant et cela est écrit de manière que tout le monde puisse comprendre le sujet. Donc lorsqu'on parle des idées pour mettre en place votre résumé, moi je vais utiliser l'exemple que moi j'avais préparé pour un congrès il y a quelques années. Et le titre là, c'était l'utilisation de mesures de résultats économiques pour évaluer les avantages dans un établissement de soins palliatifs. Faisabilité, pertinence et adaptation. J'espère que tout le monde peut voir les diapos parce que moi je ne vois pas les titres et le bas aussi des diapos. Mais bon. Il faudrait peut-être que je vous donne plus d'informations, surtout sur les diapos qui vont passer là maintenant. Donc, lorsque nous commençons à parler de ce résumé, il faut considérer tout d'abord l'introduction. Des choses à faire là, il faut commencer par la question « Quelle est la principale préoccupation qui vous pousse à mener cette recherche ?» Il faut décrire ensuite l'état actuel des choses, indiquer le déficit de recherche que vous essayez de combler. Et moi, je terminerai par l'objectif de la recherche que vous allez présenter. Donc, je vais vous donner un exemple de ce résumé que nous avons mis en place là. Et si on peut voir tout l'écran, je vais pouvoir vous montrer les différentes parties lorsque on met cela ensemble. Donc, oui, donc je ne vois pas les deux premières lignes, donc vous ne pouvez peut-être pas tout voir. Là, sur ce résumé, la partie d'introduction qu'on avait, la première partie que vous ne pouvez pas lire ici, que je vais lire tout bas, ici c'est le contexte. Là, ça commence par dire « La mesure de la qualité de la fin de vie à l'aide d'instruments de santé générique a été critiquée par les chercheurs de soins palliatifs. » C'est la question qu'on essaie de considérer. Ensuite, on continuait par parler de l'état actuel des choses. Donc cela parlait du fait que les systèmes de mesure qui avaient été développés étaient disponibles, mais cela n'avait pas été testé dans des contextes de fin de vie. Ensuite, on a parlé de l'écart de recherche, donc c'est-à-dire la manière dont cela pourrait être utilisé. Ensuite, on avait une partie sur les objectifs de cette mesure qui parlait des objectifs de cette recherche qu'on allait présenter. Donc, cela était axé sur une faisabilité de compléter les mesures dans différents groupes de personnes. Donc, ensuite, pour parler des méthodes maintenant, il est très important d'être aussi clair et précis sur ce qui a été fait dans la recherche. Cela est surtout important lorsque vous considérez cela dans le contexte de conférence. Cela, il n'est pas toujours possible de donner trop de détails sur les résultats qui ont été trouvés. Donc, il est important en termes de convaincre
évaluateur de ce qui mérite dans votre recherche et les méthodologies. Donc, il faut commencer par la conception de l'étude avant de donner des détails précis sur l'échantillonnage, le cadre, quand cela a eu lieu et comment vous avez collectionné vos données et la manière dont vous avez fait l'analyse de ces données. Et je vais faire la même chose ici en parlant des méthodes pour résumer qu'on a mis en place. Ok, un instant. Désolé, voilà. Ok, bien. Donc, dans ce résumé, la première partie a parlé du fait que la conception de l'étude est dit « L'étude a utilisé un plan de réflexion à voix haute ainsi que des entretiens semi-structurés. » Je dois dire que notre premier résumé n'avait pas cela. Moi, je l'avais rajouté là pour illustrer le fait. Donc, bien qu'on a des idées sur la manière de faire ces présentations, on ne fait toujours pas cela. Donc, je l'ai rajouté là pour vous permettre de voir à quoi cela doit ressembler. Ensuite, on a parlé de contexte. Donc, les patients recevant des soins palliatifs ont été identifiés et recrutés par l'intermédiaire d'un hospice urbain. Ensuite, on a parlé de l'échantillonnage, ce qui venait de différentes parties de l'hospice. Et désolé. Bien, ok. Moi, je vois dans le chat que d'autres personnes peuvent voir les diapos. Donc, je vais présumer que tout le monde peut lire cela, en fait. Merci de me l'avoir dit. Donc, l'échantillage était axé sur les patients et leurs proches et ceux qui ont été identifiés. Et ensuite, on a continué par parler par les trois groupes ont été invités à remplir les trois questionnaires. Les entretiens ont été enregistrés avant de parler du fait que les données ont été analysées en utilisant une méthode de comparaison constante. Cela vous permet d'encadrer les mots et faire en sorte que cela communique des informations que l'examinateur peut prendre en compte. Ok, pour parler maintenant des résultats, comme j'ai dit, c'est souvent la partie la plus difficile d'une soumission de résumé, parce que ce dont vous pouvez parler dans votre résumé est moins de ce que vous pouvez dire lorsque vous préparez votre papier. Donc je vous conseille de donner autant d'informations que possible. Je sais qu'on va en parler tout à l'heure en termes de quantité, vous avez différentes choses qui vous seraient disponibles à ce moment-là. Mais je vais vous dire qu'il faut donner autant d'informations que possible. Donc, si vous avez terminé une collecte de données, mais pas l'analyse, il vous parlait du nombre de participants, des informations de base, vos résultats préliminaires, et ainsi de suite. Si vous avez collectionné certaines données, mais pas toutes les données, vous pouvez dire ce qui a été rassemblé jusqu'ici, vous donnez la date de où vous pensez vous allez terminer et ainsi de suite. Donc vous pouvez parler ensuite des résultats du résumé que nous avons préparé. Donc on a commencé par donner des détails sur l'échantillonnage par des points que nous avons mis dans notre résumé, mais on avait déjà terminé nos analyses avant la conférence. Donc ensuite, nous avons donné des résultats préliminaires, ce qui est peut-être plus facile avec des résultats de niveau qualitatif, parce que cela est une chose plus itérative. Ensuite, pour parler de votre conclusion, moi je vous dirais qu'il ne faut pas répéter les choses que vous auriez dit dans une discussion. Moi, je vous dirais que cela viendrait par la suite d'une discussion. Donc, moi, je serais axé sur la contribution clé que la présentation apportera avant. Parfois, je fais ça, parfois pas, mais proposer des sujets de discussion qui pourraient être utiles lors de la conférence. Pour vous illustrer cela, là, nous avons parlé du fait que les mesures fournissent des moyens d'évaluer des avantages des soins de fin de vie, mais l'adaptation serait peut-être importante. Donc, c'est les messages clés d'une recherche. Et je pense qu'à ce moment-là,
que je vais passer la parole à Manoj. Merci. Bonjour tout le monde. Il est formidable d'être avec vous ici. Comme elle a dit, je m'appelle Manoj Monahan et je vais vous aider à considérer comment extraire votre résumé. La première chose, ce qui est bien, c'est qu'elle a déjà parlé des choses les plus difficiles, donc je ne vais pas faire cela, je vais essayer plutôt de vous aider à considérer comment écrire des résumés qui sont un peu différents par rapport à ceux qu'elle vient de vous montrer, en se focalisant sur deux différents types d'abstraits, de quantitatifs. Je vais aussi vous donner des idées sur la manière d'être précis et comment écrire, qui j'espère pourront être utiles, et ensuite on peut répondre à vos questions. Puisque cela va à une conférence sur l'économie de la santé, il faut considérer votre fonction objective tout d'abord. La fonction d'objectif en tant qu'auteur de ces résumés, c'est qu'on veut faire en sorte que l'examinateur soit intéressé par votre présentation. C'est comme ça que vos abstraits et vos résumés sont accessés pour la conférence. Et notre contrainte budgétaire sera l'espace. Si on n'avait pas de contrainte au niveau de l'espace, on pourrait tout faire. Mais nous avons cette contrainte, donc c'est ça qui va nous aider à considérer comment convaincre les examinateurs de prendre en compte votre article. Mais on va commencer par la manière de considérer 500 mots de résumé. Ça ressemble à quoi? Certaines réussissent, certaines ne réussissent pas, mais j'oublie souvent de quoi il s'agit, 500 mots. Donc voilà, vous voyez, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Nous n'avons pas beaucoup de place pour convaincre l'examinateur que notre idée est intéressante, est en ligne avec toute les choses qu'il cherche à voir. Cela sera difficile, peu importe. Donc on va essayer d'être plus précis sur ce qu'on peut faire ou ne peut pas faire. Surtout que dans nombre de l'analyse quantitative, vous allez avoir 10 à 15 tableaux. Et le défi est toujours de savoir qu'est-ce qui est votre conclusion au niveau de ce résumé. Donc tout d'abord, on va parler du premier sujet qu'on a déjà entendu. Donc, pour la première chose, donc, c'est ceux qui parlent des projets de recherche sur lesquels vous travaillez déjà. Cela sera difficile si vous commencez avec un nouveau sujet maintenant pour faire suffisamment de progrès avant juin ou l'été prochain. Si vous voulez commencer un nouveau projet, vous pourriez faire cela, mais si vous travaillez sur le terrain, il sera difficile de réussir. Mais si vous commencez, si vous voulez faire cela, il est possible, si vous avez déjà un plan, vous pouvez faire l'analyse des données que vous avez reçues d'ici mars-avril pour pouvoir dire quelque chose lors de une conférence. Donc, comment écrire ce résumé avec ces contraintes en place? Parce que la raison pour laquelle cela est importante, c'est que si vous considérez la chose que vous avez déjà vue, vous ne voulez pas présenter quelque chose qui serait trop tard ou ni trop tôt. Si vous n'avez pas commencé votre travail sur le terrain, ce serait trop tôt pour présenter parce que vous n'allez pas avoir les données disponible lorsque vous arrivez à parler à la conférence. Donc, mais pour ceux qui préparent des projets au niveau quantitatif, définir ce qui serait trop tard, c'est difficile parce que les dates de publication sont si longues. Si vous avez soumis votre article, cela ne sera peut-être pas accepté avant quelques années. Donc, même si vous avez un dernier jet de votre projet prêt à soumettre, cela ne voudrait pour autant pas dire que ce sera une version qui sera publiée. Et il y aura beaucoup de retours
qui va vous aider à préparer votre article. Je vais commencer par vous démontrer ce que je veux dire en termes de cette soumission, parce que la version qui avait été publiée par la suite avait été améliorée suite aux conférences et autres documents. Donc les parties, nous avons déjà dit, donc je vais vous parler des détails qui diffèrent là. Tout d'abord, lorsque vous regardez une partie empirique sur l'analyse quantitative, vous allez vouloir vous focaliser sur le fait de convaincre le lecteur dans cette partie de 500 mots sur la raison pour laquelle cette question est si importante. Vous allez peut-être vouloir dire quelque chose sur ce qui est unique en termes de cette question. Si cette question est si importante, pourquoi cela n'a pas été considéré auparavant? Autrement dit, vous allez parler de votre étude, de votre solution qui fait en sorte que cela soit crédible. Parce que si c'était si clair, si évident, bien sûr, d'autres l'auraient déjà fait. Donc si vous faites quelque chose de manière différente, c'est votre opportunité de dire cela. Il faut aussi parler des méthodes d'analyse que vous allez utiliser et les résultats clés, les principes, une principale conclusion. Vous avez peut-être 25 tableaux dans votre article, mais vous parlez du le résultat clé, mais aussi quelque chose en termes des implications politiques générales, c'est-à-dire l'importance de votre découverte. Donc, est-ce que vous avez besoin d'avoir un projet terminé pour écrire cela? Je l'ai déjà dit, mais ce qui est important ici, c'est que ce n'est pas nécessairement le cas, mais si vous n'avez pas de projet de recherche, c'est-à-dire que vous n'avez pas de résultat, il faudrait convaincre un examinateur que le projet serait terminé et que vous aurez à avoir des conclusions qui seront crédibles d'ici là. Et afin de faire cela, il faut fournir des informations spécifiques sur l'état des plans d'analyse, la collecte de données. Si vous avez des résultats préliminaires, par exemple, Joe a parlé de la manière dont les données rentraient. Ça, c'est un bon exemple d'informations spécifiques sur une collecte de données. Mais il faut faire attention de ne pas rentrer trop dans les détails parce que vous ne voulez pas perdre le lecteur. Donc je vais vous donner quelques exemples de résumés. Ensuite je vais redonner la parole à Joe par la suite. Je devrais vous démontrer quelque chose, un bon, le méchant et les seuls que j'ai pu trouver sont des documents que j'ai montrés. Donc je vais vous montrer un bon et un passable aussi. Je vais vous montrer par exemple un exemple excellent de quelque chose qui avait été soumis à une conférence auparavant, qui avait un plan d'analyse mais n'avait pas tout au moment de soumettre la solution. Ensuite, je parlais d'un passable qui a des problèmes. Ça, c'est un travail que mes co-auteurs avaient soumis encore une fois à IA en 2017. Il s'agit dans cette fois d'une analyse des données expérimentales, mais la manière dont cela avait été fait, moi j'aurais voulu faire cela de manière meilleure, et je vais vous montrer bien pourquoi. Donc voilà, j'ai déjà parlé de ce résumé qui parle de l'investissement parental dans les jeunes enfants et des attentes subjectives. Donc vous connaissez le sujet, mais vous ne connaissez pas encore la question. Mais ce qui est bien là, c'est que la première chose qu'ils font ici, c'est de vous dire pourquoi cette question est très importante, ce qu'ils vont étudier et pourquoi cela est important. Ils parlent d'une potentielle différence d'explication possible entre l'éducation maternelle et la santé de l'enfant, et comprendre quelle explication est plus pertinente et très importante pour la recherche et la politique. Ensuite, ils nous disent qu'ils vont faire savoir si des mères plus éduquées auront plus de connaissances sur les rendements de divers investissements dans leurs enfants. Donc, ils nous parlent, si vous lisez le résumé, et je vous encourage à lire cela lorsque vous allez avoir plus de temps, il parle des différentes manières qui parlent de différents liens. Donc, afin de l'identifier, il faut faire quelque chose. Et cette chose vient de ces différentes variations au niveau exogène de l'éducation.
Donc la question importante, c'est qu'ils essayent de faire quelque chose de différent en résolvant ce problème, en utilisant différents modèles. Donc comment est-ce qu'ils font cela? Donc là, ils parlent de la manière dont ils vont faire cela. Donc ils vont demander aux parents des besoins de recherche de données. Et une fois qu'ils ont des informations sur les croyances des parents, ils vont, que ce soit équilibré ou non en termes de croyances et de préférences, ensuite ils peuvent aller faire l'analyse de ces informations pour nous dire des méthodes spécifiques et la manière de faire l'analyse des données qui viennent d'être collectionnées. Donc ils n'ont pas de résultats à nous donner actuellement, mais ils vont nous parler sur la manière dont ils vont travailler avec ces données. Ils vont faire des recherches sur les sujets pour évaluer si les mères sont ont la possibilité d'utiliser cette variation. Ensuite, ils vont parler de la manière dont les investissements actuels sont poussés par les attentes des femmes. Cela est pour convaincre au lecteur que, bien qu'il n'ait pas de résultat encore, c'est ce qu'ils vont trouver. Et ensuite, ils vont nous dire comment utiliser les résultats pour jeter un peu de lumière sur les mécanismes de la corrélation systématique entre l'éducation de la mère et le capital humain des enfants. Donc, cela est un bon exemple parce que au moment où ils ont soumis cela, ils n'avaient pas de résultat. L'enquête était en train de se faire. Et ce qui aurait été bien, aurait été que les auteurs disent quelque chose sur l'état de l'enquête ou combien d'observations il y a. Et ça, c'est parmi les faiblesses de ce résumé. Mais remplit les autres besoins. Autre chose à noter, c'est qu'il est difficile d'écrire un résumé parfait, bien que même Jo, lorsqu'elle avait regardé son propre résumé, elle avait changé quelque chose. Donc il ne faut pas que ce soit parfait, il faut que cela soit suffisamment bien de communiquer avec le lecteur. Donc je vais parler de l'abstrait qui est moins bien. Donc là, c'est un résumé que j'avais préparé sur les contrats basés sur les intrants versus contrats basés sur les extrants dans le secteur de la santé. Donc la question centrale, c'est que vous pouvez parler de deux différentes sortes de fournisseurs avec deux différentes sortes de contrats, mais il y a peu d'évidence pour démontrer cela. Donc afin de fournir des évidences, des preuves empiriques, il faut parler de... Donc on avait fait une expérimentation. Donc l'une des choses qui est bien là, c'est qu'il est souvent plus facile de préparer votre question parce que vous avez déjà eu à faire cela pendant la première partie. Mais ce qui est utile pour nous de noter ici, c'est ce qui est bien et ce qui est mauvais en termes de cet abstrait. Donc tout d'abord, les méthodes, il s'agissait d'une expérimentation. Donc on a parlé des différentes parties de ce traitement et ensuite on avait parlé de la manière dont cela est vu. Était nécessaire. Moi, maintenant, je vous dis que j'aurais voulu dire quelque chose sur le fait qu'on aurait été les premiers à faire cela. Ça, c'est une bonne chose à dire, mais cela reflète aussi la possibilité qu'il y a quelque chose une chose à laquelle on n'a pas prêté attention. Donc, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui travaille sur le même sujet. Et en disant que je suis le premier à faire telle ou telle chose, vous allez peut-être offenser quelqu'un, donc il faut moduler votre langage. L'autre chose, c'est une limitation dans ce genre de projet où vous avez à parler de vos conceptions avant de rentrer dans votre analyse. Il faut parler de votre plan de pré-analyse. Ce qui est bien ici, c'est que là, on avait dit qu'on allait utiliser l'analyse qui ne serait pas publiée autre part. Donc là, j'ai créé plus de travail pour l'examinateur qui doit cliquer ensuite autre part pour aller lire l'étude pour comprendre l'analyse. Honnêtement, on ne devrait pas faire cela. On devrait au moins donner les idées clés dans ce plan d'analyse. Et c'est donc ça que nous allons faire plutôt de faire cette stratégie qui, en fait, j'ai un peu honte en fait de parler de cela comme ça maintenant. Ensuite, il y a des résultats clés qu'on a rajoutés ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces principales conclusions suite à l'analyse. Ce que nous avons trouvé sont des effets clés
au niveau des améliorations et ainsi de suite. Ce que vous allez noter ici, que j'ai laissé un lien vers une version actuelle de notre article, mais vous allez voir que cela a changé beaucoup au fil du temps, et cela c'est parce que depuis le moment où on l'avait présenté pour la première fois en 2017, l'article a été revu de manière importante. C'est parce qu'on est passé par des conférences. Donc, plutôt de parler, d'écrire des résumés, je vais vous dire deux choses. Surtout en termes de chercheurs qui viennent des pays en voie de développement. Moi, j'ai grandi en Inde, par exemple, et la manière dont j'ai appris à écrire était tout à fait différente par rapport à ce que j'ai vu là. Donc, être précis et délicat avait besoin de beaucoup de versions. Donc, la première chose que je dirais, c'est de ne jamais soumettre votre premier jet. L'écrire, il faut l'éditer, relire, mettre cela de côté pendant quelques jours, montrer cela à vos collègues qui ne font pas partie du projet pour les permettre de faire des commentaires. Avec, donc, donner la possibilité à d'autres personnes pour lire votre résumé, c'est une très bonne idée. Et cela traite du fait que bien qu'on l'aime ou non, il faut apprendre à comment écrire ces résumés comme ça. Donc, pour ces deux journaux axés sur la santé, il y a une manière spécifique d'écrire, mais sinon, pour les articles qui vont plus généraliser, il faudrait faire un peu plus. Donc, je vais m'arrêter là, je vais repasser la parole à Joe, qui, je pense, a d'autres choses à nous dire. Merci, Manoj. Je dois dire que je suis tout à fait d'accord sur le fait d'éditer à plusieurs reprises lorsque vous faites un travail comme ça. Il est très important d'avoir des aperçus et de mettre cela de côté pendant quelques jours parce que c'est comme ça que vous allez voir des choses que vous pouvez revoir lorsque vous arrivez à une version suivante. Avant de passer aux questions, je vais vous parler d'une mise en place de séances organisées avant de parler du processus de soumission et ce qui se passe à votre résumé une fois cela soumis. Parce qu'on voudrait savoir ce qui se passe une fois cela fait. Donc, en termes d'avoir mis en place des séances organisées, beaucoup de choses sont très similaires. Donc, les processus sont très similaires. Donc, chaque séance a besoin d'une cheville, par exemple. De quoi il s'agit? Donc, la chose à dire, une session... Un point est une chose très importante, bien que ce que vous dites est à un niveau plus élevé. Vous pouvez voir chaque résumé comme une sous-partie du point que vous êtes en train d'essayer de communiquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque résumé doit répondre aux exigences des résumés individuels. Mais il faut aussi avoir une vue d'ensemble de la séance. Et si c'est vous qui êtes en train d'organiser la séance, la session, vous auriez donc besoin de toutes les informations pertinentes pour tous les résumés de la session. Pardon, dans la session avant de pouvoir soumettre cela. Donc, pour parler brièvement de cette séance de introduction pour votre séance, tout d'abord, vous avez 500 mots encore une fois pour présenter votre thème général. Donc vous devez l'introduire, comme on a dit, l'introduction pour vos résumés. Ensuite, il faut introduire chaque document individuellement et dire comment il contribue à l'objectif global de d'une séance. Et cette fois, les séances seront mises à l'examen à l'aveugle. Cela veut dire que lorsque vous écrivez votre résumé, vous ne pouvez pas dire l'article par l'auteur tel ou tel. Il faut parler de l'article 1 et l'article 2 et ainsi de suite. Il faut expliquer un peu comment la discussion sera facilitée et ensuite aussi d'indiquer la contribution globale de la séance. C'est-à-dire à la fin, il faut dire comment votre session va contribuer à la conférence et ainsi de suite. Donc maintenant, pour parler du processus de soumission, il faut bien sûr faire des contrôles finaux avant de soumettre. Donc il faut faire en sorte que chaque personne citée comme auteur sur votre document est d'accord
Il ne faut pas soumettre cela avant l'accord de tout le monde qui est nommé dans le document. La même chose qu'il a dit, Emmanuel, il faut avoir des commentaires de toute autre personne, surtout les collègues de haut niveau, et si vous n'avez pas ou peu de co-auteurs sur votre résumé, la plupart des personnes de haut niveau sont prêtes à vous donner de l'aide. Et je dirais, il faut relire avant de soumettre. Donc, une fois soumis, qu'est-ce qui se passe? Donc, cela sera affecté à trois relecteurs qui auront de l'expertise. Il faudrait sélectionner un nombre de sous-domaines et ils sont experts dans ces différents domaines. Chaque évaluateur va noter votre résumé de 1 faible à 10 qui dit que c'est absolument parfait pour la conférence. Ce qui est important ici. Ensuite, ils vont produire un score moyen et ensuite on fera des vérifications pour faire en sorte que différents évaluateurs sont pas des faucons ou des colombes, c'est-à-dire ceux qui notent de manière dure ou de manière plus gentille. Comme ça, on peut passer à l'étape suivante. Donc ensuite, donc, ce qui se passe, c'est que les informations sur les scores vont aux leaders, les responsables de programme, qui sont ceux sélectionnés selon leur base de leur expertise dans le domaine. Et ensuite, moi-même et Anna, en tant que président des conférences, vont entendre les informations. Ensuite, il y aura des recommandations faites basées sur les notes reçues. Et ils et aussi les présidents de conférences vont vérifier pour faire en sorte qu'il n'y a pas eu de désavantage. Les documents n'ont pas été désavantagés. Et ensuite, on va les programmes pour vérifier qu'il y a une cohérence, pour vérifier qu'il n'y a pas d'écart à travers les différents programmes, pour faire en sorte que ceux qui travaillent dans différents domaines soient notés de manière juste. La décision vous sera communiquée vers le mois de mars. Je ne sais pas si nous avons une date spécifique, mais ensuite, qu'est-ce qui sera se passe? Si vous êtes rejeté, je vous dirai, il ne faut pas être trop découragé, cela arrive à nous tous et toutes. Ce n'est pas aussi utile que si vous êtes rejeté par rapport à un article. Mais il faut considérer pourquoi cela n'a pas réussi ou non, et donc planifier comment faire avancer les travaux. Est-ce que cela devrait être pour une autre conférence ou pour une publication immédiate? Donc, ne soyez pas trop déçus. Si cela est accepté, il faut tout d'abord célébrer et faire en sorte que vous avez le financement pour la conférence, que vous avez l'accord de vos supérieurs hiérarchiques et ainsi de suite. Et il faut répondre en temps utile, chose qui surveille en parlant de cette conférence. Et je pense que cette année, on va avoir des présentations qui seront prêtes, enregistrées, disponibles d'avance pour donner suffisamment de temps pour une discussion en direct. Donc, il faut pouvoir répondre lorsque les choses arrivent. Donc, bonne chance avec vos submissions. Et je vais maintenant repasser la parole à Winnie pour répondre aux questions. Merci, Joe et Manoj. Donc, on va rester connecté pendant quelques moments. On va vous demander à rentrer plus dans les détails sur ce que vous voulez dire par passer à l'international avec différents points de vue. Si vous pouvez nous donner plus d'informations ou peut-être un exemple. Bien, ok. Je pense que ce que je voulais dire là, c'était des séances organisées surtout. Donc moi, je parlais là du fait qu'il est important d'essayer de rassembler différents documents. Ce serait, par exemple, d'un point de vue du Royaume-Uni sur un sujet,
ou d'avoir des recherches d'un autre sujet, cela pourrait être utile afin de renforcer le débat ou faire en sorte que ce soit trop limité. En termes plus généralisés, en termes de résumé, j'essaierai aussi, je pense que cela vient aussi du fait d'éditer des articles aussi, cela est utile si vous pouvez faire en sorte que votre présentation serait intéressante pour tout sujet. Donc, une chose que je dirais, c'est que si votre sujet est basé par exemple au Royaume-Uni, mais il s'agit de parler de fin de vie, moi je parlerai peut-être au début pour parler de la fin de vie en termes plus généralisés avant de passer aux exemples de différents pays pour, avant de passer au sujet suivant en termes de contexte. Pour être clair sur le fait que votre article soit d'intérêt plus généralisé plutôt que spécifique. Je pense que c'est ça que je dirais. Merci. Bien, merci. J'aimerais aussi, par rapport à ce que Joe vient de dire, si vous pouvez poser votre question en termes de quelque chose qui serait d'intérêt plus large, plutôt que de parler d'une question d'un pays ou quelque chose de spécifique, cela serait l'analyse. Et bien sûr, cela serait moins attrayant par rapport à ce que vous pourriez dire en termes de répondre à une question en utilisant des contextes spécifiques par rapport à une situation. Cela serait plus intéressant. Il y a différentes questions pour Manoj. Tout d'abord, comment est-ce que vous faites face aux soumissions de résumés, des changements de soumission de résumés et de programmes si cela a été accepté? Parce que lorsque le résumé est accepté avant la conférence, il y a des changements. Et ensuite, souvent d'entre nous ont des difficultés en ce moment, ne pas pouvoir faire du travail sur le terrain. Donc, on utilise parfois des données d'archives. Vous avez parlé là d'utiliser des données qui ne seraient pas trop anciennes. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que vous voulez dire par des données anciennes? Donc, vous pouvez nous parler de l'utilisation des données d'archives. Merci, Manoj. Merci, Winnie. Je vais commencer par répondre à la question sur les changements. En général, je dirais la première chose, lorsque vous savez que votre plan doit être changé, il faut se mettre en contact avec le président. À ce moment-là, on va vous dire si ce changement sera en ligne avec ce qu'il prévoit. Si cela n'est pas possible, il faut considérer peut-être retirer votre soumission de la conférence ou peut-être mettre cela autre part, mais dans le programme, donc je dirais de ne pas être trop axé là-dessus. Mais si vous trouvez différentes choses, il s'agit là de vous donner l'exemple de l'abstrait de conférence. Cela avait beaucoup de changements similaires et moi j'ai présidé cette séance, donc ils m'ont écrit dès qu'ils ont trouvé que les résultats n'étaient pas logiques et considéraient différents aspects là, mais cela faisait partie du sujet plus généralisé. Donc, il était possible de l'inclure, bien que la séance proposée à l'origine était un peu différente par rapport à ce qu'on avait fait plus tard. Si cela change de manière importante à ce moment-là, il faudrait peut-être retirer. En termes des questions sur les données, les changements là sont différents lorsque là, avec la COVID, il faut utiliser les données existantes. Donc, moi,
Je dois dire qu'on n'a pas utilisé les sources de données existantes beaucoup parce que avoir des données nouvelles est toujours intéressante. On cherche toujours à utiliser ces données, mais il y a des ressources des données existantes que nous n'avons pas exploitées de manière complète. Donc, je dirais que utiliser les sources de données existantes c'est bienvenu, mais en termes d'utiliser des données existantes, je dirais que si vous regardez l'impact des programmes spécifiques ou d'innovation de politique, voilà, à ce moment-là, les projets de recherche, là, cela existe déjà. Si vous pouvez dire que ces programmes ont accompli cela, donc ça, c'est une chose historique qui ne serait peut-être pas pertinente, mais puisqu'il s'agit là d'une conférence sur l'économie de la santé, on doit considérer les mécanismes sous-jacents des comportements qui ne vont pas varier sur le temps. Donc, si vous arrivez à utiliser les données des années 60 pour dire quelque chose sur les investissements sur les enfants, les comportements des parents, les mécanismes, ce sont des choses qui ne devraient pas changer de manière dramatique au fil du temps au niveau des comportements. Dans ces termes-là, utiliser nos données, cela devrait être basé sur la question, donc considérer ces questions comme ça plutôt et prendre de manière directe comme ça. Voilà. Merci Joe et Manoj. Et pour ce que Manoj a dit, je dirais aussi que ce que les données soient anciennes ou non, cela dépend de la question. Donc cela revient à ce qu'ils ont dit tous les deux. Quelle est la question à laquelle vous essayez de répondre? Je dirais que parfois, certaines questions qui ont été considérées à plusieurs reprises, cela traite de plus de demandes sur les données, mais souvent une question plutôt importante, plutôt nouvelle, qui n'est pas toujours là. Donc souvent, la valeur d'un travail est comparé par rapport à ce qui est connu déjà. Et lorsque vous considérez les données, des données d'archives ou des données nouvelles, il faut se demander à chaque fois si ces données vous aident à produire de nouvelles connaissances en termes de cette question. Ça, c'est un test important. Donc, j'ai une autre question longue. Donc, je vais lire cela de manière... Je vais lire cette question. Donc, si j'ai déjà soumis un article pour examen à l'une des revues d'économie de la santé, mais qu'il a été rejeté pour certaines raisons, il s'agit d'un article sur l'économie de la santé. Puis-je quand même suivre le conseil donné ici de soumettre un résumé de celui-ci à la conférence? J'espère, en espérant obtenir davantage de réactions sur de la conférence, si ma présentation est acceptée. Je vais peut-être répondre à cette question-là. Il s'agit, si vous avez déjà soumis votre résumé et cela avait déjà été rejeté, est-ce que vous pouvez toujours soumettre cela à une conférence? Je dirais que lorsqu'on relit les résumés, on n'est pas intéressé par le fait que votre résumé ait déjà été rejeté, parce que vous avez peut-être reçu des commentaires très utiles suite à cette réjection. Et vous pouvez toujours considérer soumettre cela à la conférence. Mais si les commentaires des examinateurs disent, par exemple, c'est une question ancienne et les données, les concessions que vous avez ne fournissent pas de contributions supplémentaires, cela serait une différente catégorie, parce que lorsque vous soumettez cela, vous allez arriver à ce moment-là à prendre la même conclusion. Donc là, ce sera
quelque chose qui a été déjà souligné par Manoj et Dio. Comment convaincre mon examinateur que je vais faire une contribution? Donc, selon l'examinateur, les commentateurs étaient pour vous. C'était pour vous et à prendre en compte lors de votre dernière réjection. Donc, je pense que nous avons une dernière question, c'est-à-dire comment parler des autres auteurs. Joe, est-ce que vous voulez parler de comment citer les autres auteurs? Oui. Je ne cite pas généralement d'autres auteurs dans le résumé, surtout pour une conférence comme celle-ci. Lorsque j'écris la partie d'introduction, je parlerai généralement des recherches précédentes, mais sans citer. Je pense que la différence clé, vous allez peut-être vouloir faire cela, mais je dirais cela, pas cela en tant que citation non plus. Je parlerai des auteurs spécifiques. Si vous voulez parler de l'hypothèse, à ce moment-là, je dirais telle ou telle personne dise telle ou telle chose, mais moi, je ne vais pas citer quelqu'un dans ce résumé. Surtout parce que vous essayez de travailler avec 500 mots. Et si vous avez de longs titres, ce qui est souvent le cas avec de longues listes d'auteurs, cela va être pris en compte dans vos 500 mots. Donc, je ne vais pas inclure cela dans cet résumé. Donc, merci. Très bien. Donc, au cas où, si vous regardez une question, j'essaie de deviner pourquoi cette question a été faite, ou s'il s'agit de répondre à ce que quelqu'un, Joe au ménage, avait déjà dit, qu'ils ont déjà fait un travail. Si vous voulez, vous pouvez dire tel ou tel et al sont cités de manière complète pour faire en sorte que l'évaluateur sache que vous avez des difficultés en termes de nombre de mots, mais que vous savez que quelque chose existe déjà. Je vois que nous n'avons déjà plus de temps. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Donc, merci. Je voudrais remercier à la fois Manoj et Joe. Ce sont des astuces très utiles, non seulement pour le chercheur pour la première fois, mais je dirais qu'il y a un nombre de chercheurs qui vont apprécier ces lignes directrices aussi. Donc, merci aussi aux participants. Donc, je vais passer la parole à Nicole encore une fois là. Merci beaucoup à Winnie et à Benaj et à Joe de cette présentation. Cela sera téléchargé sur notre site après et je sais que certaines personnes ont déjà demandé les diapos. Cela devrait être disponible dans les journées à venir. Et on va ensuite envoyer une enquête après et j'espère que tout le monde pourra remplir cela. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail si vous n'avez pas reçu de réponse aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde et bonne journée.